Tinors, c'est au tour de Tinors, Eric. Alors Tinors, premier produit à naître donc en 2014. Nous avons eu deux naissances hier. Voilà, et les deux poulains sont très jolis. Donc Tinors a beaucoup évolué depuis l'année dernière. Il a épaissi, il a pris du muscle aussi. Et... un sacré physique hein, de déménageur, c'est vrai. Oui, 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 c'est un très beau physique, très beau travers. Et surtout, c'est un cheval également qui se déplace très bien, qui est très souple. Une belle locomotion. Donc il faut rappeler quand même Tinors, il est deuxième du Morny derrière Dreamhead, qui est quand même un champion. Voilà, il est deuxième du Jean-Luc Lagardère. Il a gagné la poule d'essai des poulains à 3 ans, tout en étant encore présent à 4 ans. Donc c'est un cheval qui a été très précoce et à la fois qui a duré dans le temps. Encore gagnant de groupe à 4 ans. Oui, oui, tout à fait, gagnant de groupe 3 à 4 ans. Donc sa première production l'an dernier. Sa première année de monte plutôt. Il a eu des juments de quelle, pas catégorie, mais de quelle distance? Il faut lui emmener des mileuses comme lui? Je pense que des juments entre 1400, 1600 mètres, ou voire même 2000, hein, si on veut ramener un peu de vitesse, ben, c'est très bien, parce que c'était quand même un cheval vite, donc, et qui tenait les 1600 mètres. Donc c'est une bonne chose. Et plus de 80 juments de saillie, si je me trompe. Oui, 87 juments saillies l'an dernier, donc ce qui est bien pour une première saison.